Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien aujourd'hui. On se retrouve dans cette petite vidéo pour avancer la toile de Mickey et Minnie. Donc, Mickey et Minnie, la partie 3. Je ne l'ai pas du tout retouché là, depuis la partie 2. Là. On avait complété là, ça ici ensemble. J'avais fait une vidéo. Donc, aujourd'hui, dans un premier temps, je vais venir faire du foncé ici là, dans la partie de Mickey. Je vais le faire sur accéléré. Puis ensuite, je vais venir faire, là, je vais venir travailler un cœur avec vous à la fin, la question qu'on discute un petit peu là, dans la vidéo, là, qu'on papote. Donc, je m'installe et puis je commence. Donc, c'est ça, là, dans une première partie, là, vous avez un petit bout en accéléré là, avec de la belle petite musique. C'est ça, je vais venir travailler ici la toile. Là. Puis, on se retrouve un petit peu plus tard dans la vidéo. Thank you.
Donc, me revoilà. J'ai avancé vraiment beaucoup sur le côté. Là, je ferai un survol à la fin là, de la toile. Je suis vraiment, vraiment contente là, de ce que j'ai d'avancé. Je vous avais dit que je viendrais travailler là, un petit cœur avec vous. Vu que j'ai travaillé ce côté-là ici, dans le fond, je vais venir faire ce cœur-là ici, qui va être plus proche. Je vais venir comme tu sais, vraiment là, essayer de compléter cette partie-là. Donc, c'est parti. On y va avec les petits dés. Je vais en mettre plus que ça. Ça va en prendre plusieurs. Donc, un beau petit rose pâle. Super de belles couleurs. Donc là, je viens comme de constater aussi là, que ma caméra n'a plus beaucoup de batterie. Donc, je vais voir. Je vais faire un petit bout là. Puis, ça se peut que ça coupe. C'est pas la première fois que ça fait ça. Ça m'arrive des fois. Mais là, c'est sûr que bon, j'ai fait quand même un bon petit bout là, en accéléré. Donc, c'est pour ça. Là, petit défaut un peu sur les GoPro. Là, je trouve que les batteries se vident quand même rapidement. Là, c'est sûr, moi, je la laisse comme tourner. Je suis pas en train de jouer après et essayer de changer, de zoomer ou des choses comme ça, aller jouer dans les fonctionnalités. Lorsqu'on se met à jouer beaucoup avec la caméra, ça baisse vraiment, vraiment vite. C'est ça, là. Comme là, il y a comme un écran de veille, si on veut, là. Tu sais, il y a un petit écran sur la caméra. Puis, après quelques secondes... ça tombe noir, donc ça au moins ça économise un petit peu la batterie, mais quand même je trouve que ça se vide quand même vite. J'ai jamais eu d'autres caméras, d'autres GoPro ou quoi que ce soit, tu sais, je peux pas comparer non plus, mais c'est ça, je trouvais là, j'étais comme un petit peu déçue de ça au début là. Il a fallu s'acheter d'autres choses là, le chargeur pour la batterie, parce que ça vient pas avec là. C'est ça, il a fallu s'équiper de ça pour être capable de charger nos batteries. Puis, il a fallu racheter une autre batterie supplémentaire aussi. Avec le chargeur, tu as une batterie. Avec la GoPro, tu as une batterie. Mais à deux batteries, là, quand que je fais des vidéos, de quoi, là, ça passe vite les deux batteries pour vrai, là. Donc, c'est pour ça, là, que je disais ça, j'étais un petit peu déçue, là, il me semble. Mais c'est ça, on a comme racheté une troisième. À 3, pour vrai, ça a bien de l'allure, là, c'est bien correct, là, mais c'est ça qui est dommage, parce que, bon, c'est t'achètes la GoPro, puis t'as d'autres coûts supplémentaires pour que, tu sais, ça y aille bien, puis là encore, on n'a pas le média mode. Le média mode, c'est comme, c'est quelque chose qui va envelopper la caméra au complet, qui va faire que le son, lorsque je parle et tout, lorsqu'on filme, le son est meilleur. Et puis, il y a une prise après le média mode que je vais pouvoir brancher ma GoPro sur la télé. J'ai une télé 4K, la GoPro Hero 8, Hero 8, là, je m'en allais dire. Elle filme en 4K. Là, présentement, moi, je filme seulement en 1080 parce que, bon, ça fait des vidéos qui prennent énormément de place. Faut que je les compresse plusieurs fois. Puis même sur la petite carte mémoire que j'ai dans ma GoPro, là, j'en ai acheté quand même une bonne avec beaucoup de mémoire. Mais ça prend vraiment de la place, là, les vidéos en 4K. Donc, pour l'instant, là, je vois pas... je vois pas le besoin, là. Puis surtout que j'ai pas le média mode, donc je peux comme pas le brancher sur ma télé. Exemple que je vais à l'extérieur, je prends super de beaux vidéos, tu sais, c'est ça, je peux même pas comme l'admirer sur ma télé 4K. Mon portable non plus est pas 4K, là, tu sais, c'est vraiment, faudrait comme tout que je change. Donc c'est pour ça qu'on est comme pas pressé pour tout de suite d'aller acheter, tu sais, le média mode, là. Puis ça va être un autre bidule qu'on va connecter à la caméra qui va encore tirer du jus sur la batterie. Donc ça aussi, on était... Pour l'instant, là, pour ce que j'en fais, là, je crois que la qualité de mes vidéos est super bien. J'ai jamais eu personne qui me dit exemple, tu sais, ah, on voit pas bien, ah, c'est flou. Donc, selon moi, là, pour ce que j'en fais, là, je trouve ça bien. Même mes vidéos à l'extérieur, là, un peu plus ce style, là, mes vlogs, exemple, tu sais, je trouve qu'on voit vraiment bien, là, la qualité de la caméra, là. Moi, je trouve que je suis très satisfaite. Donc, tu sais, pour l'instant, c'est ça. Je ne ressens pas le besoin non plus de filmer en 4K, là. Un jour, un jour.
appelé Petit S, qui est un rose encore plus pâle, un beau petit rose. Oh, le soleil commence à sortir, c'est agréable. Parce que depuis ce matin, là, ça niaise un peu, là. La Dame Nature est un peu bipolaire aujourd'hui. Elle nous a envoyé un petit peu de neige tantôt. Là, le soleil il sort, donc la neige à fond. C'est nuageux, dans le fond. Fait que c'est pour ça qu'on a comme des percées de soleil au travers des nuages, là. Cet après-midi, là, je vais voir. Là, c'est ça. On est quand même le matin. Je vais voir cet après-midi. Je vais peut-être aller prendre une petite marche avec Bella. Ça fait quelques jours que j'y ai pas été. Il n'a pas fait beau non plus. C'est pas agréable d'aller marcher aussi lorsque c'est tout mouillé. Là. C'est pas le fun. Donc, c'est ça. Là, ça fait quelques jours que j'y ai pas été. Donc. Sûrement là, qu'elle va être super contente. Là, tantôt, je vais dire, on va aller marcher au bois. Là, elle va piétiner. Puis, je pense déjà qu'elle m'a entendu. Là. Je l'entends bouger. Elle est dans le salon auprès de moi. Là. Donc, c'est ça. Tantôt, je crois que je m'étais dit cet après-midi, je pourrais faire une autre vidéo. T'sais, je pourrais continuer soit d'avancer Mickey et Minnie. Je pourrais continuer les trois grenouilles. Ou, t'sais. Je m'étais dit, je pourrais continuer mes autres toiles, mais s'il n'y a pas de pluie, là, je crois que je vais plutôt en profiter pour aller à l'extérieur. Je vais voir. Peut-être que je vous ferai un petit vidéo vlog. Ça fait quand même un petit moment. Hein, je vous en avais fait là, cet hiver là, avec la neige et tout. Je pourrais en faire un petit. Là, ça me fait penser à ça. Là. Je vais peut-être, là, si mes batteries de GoPro sont chargées, je pourrais apporter ma caméra. Filmer un petit peu, là, le paysage du printemps. Je suis vraiment, vraiment contente hein, de ce que j'ai avancé ce matin, là, le petit bout en accéléré, là, ça a vraiment donné un gros coup de pouce à la toile. Parce que là, je regardais ça, puis cette grandeur-là, vous le savez, hein, je vous fais pas plus que 5 vidéos parce que, bon, je veux pas vous tanner non plus. Ça, je me dis que 5 vidéos pour une toile 30 par 30, ou là, celle-là, même, je pense qu'elle est 25 par 30, c'est bien, c'est suffisant. Donc, c'est ça, là, je regardais ça, puis je disais, ouh, là, je vais tourner la partie 3, faudrait que ma toile soit un petit peu plus avancée. Donc, c'est pour ça que je me disais, là, j'hésitais. Là, je me disais, bon, est-ce que je sors ma caméra, je fais un petit bout sur accéléré, ou je l'avance, puis tu sais, surprise, je l'ai avancé. Puis je me suis dit, tant qu'à en faire et tout, tu sais, pourquoi pas sortir ma caméra. Ça faisait quelques vidéos que je fais, que j'ai, ça fait quand même, on dirait, ça fait un petit bout, j'ai pas fait des bouts en accéléré. Donc, je me suis dit, tiens, j'aimais bien ce concept-là. Vous pouviez en voir plus dans mes vidéos de cette manière-là. Donc, je me suis dit, tiens, ce matin-là, je sors la caméra, je me filme un petit bout en accéléré, on avance la toile, puis c'est ça. Comme à l'habitude, là, je vous reviens à la fin, la question qu'on jase un petit peu, qu'on discute, c'est le fun, ça fait du bien. Je sais qu'il y en a beaucoup qui me regardent en même temps que... Vous faites vos diamond painting, hein, donc c'est pour ça que je me suis dit, tiens, un petit bout de musique, puis un petit bout là, de blabla. Voyez-vous, là, le soleil est déjà reparti. Je ne sais pas s'il fait froid, par exemple. J'ai pas mis le nez dehors aujourd'hui. Je suis en avant de ma fenêtre, je regarde dehors, là, mais... J'ai pas été encore. Donc, c'est pour ça que je me disais, tiens, faudrait bien là, que je mette le nez dehors. Hier, j'ai dû aller faire des courses. On essaie de sortir le moins possible. On essaie d'y aller le moins souvent possible. Hein. Donc, c'est ça. On est allé, là, j'y ai été. Moi, j'ai tout lavé mes produits lorsque je suis revenue à la maison. J'ai fait bien attention. c'est ça. On essaye d'y aller là, pas trop souvent, puis quand on y va, on essaye de se stocker pour avoir là, de la bouffe et tout pendant un bout. Donc, on s'est racheté du traditionnel papier de toilette.
C'était La Folie Furieuse, puis on en avait presque plus. Puis là, c'est ça, là, au début, là, tout le monde s'achetait là-dessus. On en avait presque plus, puis on se disait, regarde, on va attendre, là, on va passer, tu sais, on va finir qu'est-ce qu'on a, là, nous en rester, parce que, bon, nous, on va magasiner chez Costco, donc les paquets sont gros, hein. C'est ça, il nous en restait un peu, donc on se dit, on va attendre, là, la folie va se calmer, là, tout le monde va se stocker en débile, là, puis... Quand j'ai été faire mes courses hier, il y avait du papier toilette. J'ai dit, bon, un paquet de papier toilette, un paquet d'essuie-tout. J'étais vraiment sur le bord en plus de manquer d'essuie-tout, ça. Mais là, c'était tellement la folie qu'on, t'sais, on y avait été la dernière fois. Là, il n'y en avait plus. Tout le monde se garrochait et tout là-dessus. Puis là, on était là, hey, wow. On est encore capable de toffer un petit bout. On va attendre. Il ne faut pas virer fou non plus. On s'entend, là, les paquets de Costco sont vraiment gros, les paquets de papier de toilette. Donc, un, c'est assez. Là, c'est ça, c'est limité. Les gens ne peuvent pas en acheter plus qu'un. Puis, sérieux, c'est bien comme ça. Là, hein, pour vrai, un paquet, pour sérieux, vous en avez pour un bout. Là. Fait que ceux qui en... Bon, comme je vous l'avais dit, ma caméra allait manquer de batterie. Donc, c'est ça. J'étais en train de parler, puis ça a fait pip, pip, pip. Donc, c'est ça, là, j'étais en train de parler là, du Costco. Là, ceux qui achetaient le 3-4 paquets, là, Caroline, vous allez en avoir encore l'année prochaine, c'est fou. Puis ça, on regardait ça, on était là, c'est beau, là, avoir peur d'en manquer. Là, OK, stocke-toi-en deux paquets au pire, là, mais on achète, nous, quoi, peut-être 3 ou 4 paquets en un an, là. C'est Seigneur. Ceux qui en ont beaucoup, là. La couleur, elle, un beau petit rose bonbon pâle, un petit rose pastel, j'adore. Donc, c'est ça. Je suis allée braver le Costco, là, pour aller m'acheter, là, quelques petits trucs dont on avait besoin. Puis, c'est ça. On a un bon congélateur à la maison. Il y a beaucoup de place. Parce qu'on nourrit les animaux au cru, nous. C'est ça. On n'achète pas de moulée sèche. Non, c'est ça. On a du cru. Ma chienne, je la nourris. Elle mange des cuisses de poulet. Eh oui, des cuisses de poulet qu'on achète en épicerie, là, qu'on fait cuire au four, là, des fois, là. C'est ça. Elle n'est pas cuite, la cuisse de poulet, bien, bien, bien important. Parce qu'un os de poulet cuit, hein, vous le savez, ça s'effiloche. Ça fait comme toutes des petits cure-dents. C'est ça. Elle pourrait en avaler un et puis elle pourrait mourir là. C'est pas des blagues. Donc, mais cru, par contre, lorsqu'on donne une cuisse de poulet cru, c'est super, super bon. Parce que le chien va tout assimiler. Il n'y a rien qui est pas bon dans la cuisse de poulet. Tout ce qui va sortir, dans le fond, c'est les os. C'est l'os. Puis l'os de la cuisse de poulet. Ma chienne, pour vrai, là, ça prend 3 secondes d'écart. Elle croque ça comme si elle... C'est croquer un bonbon dur, ça fait crunch, crunch, crunch. Croque un bretzel, ça fait crunch, crunch. Ça fait le même bruit. C'est vraiment... Ça, puis c'est pas long, là. Je donne sa cuisse de poulet, là, puis je vous garantis, là, 30 secondes top chrono, elle a terminé, là, puis elle me regarde en me disant « Maman, peux-tu en avoir un autre, là? » C'est... puis c'est ça fait un bout, là, que je la nourris au cru. On a des cubes de cru aussi, une compagnie, là... Une super de bonne compagnie, là, c'est vraiment bon. Parce que pour les chiens, pour les chats, ça prend beaucoup de protéines. Ça prend un cru qui est plus gras. Tandis que pour les chiens, eux, ce qui est important, dans le fond, c'est ça, les chats, ça lui prend quand même des petits bouts d'os. Fait que dans le cru, il y a des petits bouts d'os, des petits bouts d'os, comme, tu sais, on peut broyer, si on veut. Parce que, bon, les chats ont besoin de la taurine qui se trouve dans les os. Contrairement aux chiens, les chats n'ont pas besoin de légumes. Les chiens, par exemple, ils ont besoin de légumes. Ça leur en prend. Donc, ma chienne, je ne peux pas la nourrir uniquement aux cuisses de poulet parce que, bon, OK, elle a toutes ses protéines, elle a tout ce qui est super bon pour elle, mais il n'y a pas de légumes. Donc, à long terme, ça peut entraîner de la constipation, des choses comme ça. Fait que j'ai acheté aussi du cru. Donc, elle a les deux. Elle a des cuisses de poulet, puis elle a du cru. Là, deux cuisses, c'est un petit peu trop, tandis qu'une cuisse plus un bloc de cru par jour, c'est parfait. Elle a sa portion de légumes et tout. Puis... Les cuisses de poulet, là, quand les chiens grugent après ça, là, c'est un peu comme Robert, tu sais, elle n'est pas cuite. Donc, ça paraît peut-être ridicule comme ça, là, mais moi, je suis allée chez le vétérinaire il n'y a pas tant long avec ma chienne. Quand ça faisait un petit bout, j'avais commencé le cru. Ma chienne, avec les moulets et tout, vous remarquerez vos animaux, là, ils ont les dents, là, ils ont comme du tartre et tout. Puis, lorsque je suis allée chez le vétérinaire, je me suis fait dire que Bella avait des super de belles dents. Ses dents étaient toutes propres et tout. Puis ça, je le dois seulement aux cuisses de poulet, là. J'ai jamais acheté rien, rien, rien de...
puis tu sais, des genres de petits trucs là, que vous donnez aux chiens, là, puis que là, ils grugent après ça, puis ça nettoie le dent, puis jamais, 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 jamais. J'ai jamais donné ça, puis c'est ça, je me suis fait dire qu'elle avait des super de belles dents. Puis sérieusement, là, son poil est revenu tellement plus beau, tellement plus doux. Voyons, mon crayon colle plus. Moi, je vois vraiment, vraiment une différence. Et puis, ça coûte pas si cher que ça. Là, pour vrai, là, ça me coûte moins cher de bien la nourrir comme ça, avec du cru et des cuisses de poulet, que d'aller acheter de la moulée. Moi, j'ai calculé en un mois, là. Puis, en dernier, anyway, ma chienne n'en voulait plus. J'achetais de la moulée, elle n'en mangeait presque pas. Comme si elle était tannée, si on dirait. Là. C'est vraiment ça, là, dans le fond. Là. Comme si elle était tannée de... Oups! Bon, j'ai fait un beau petit dégât. Fiu, ils sont tous à côté. Je croyais que j'avais tout fait tomber ça par terre. Ah, j'en ai collé sur mon doigt. Bon, je ramasse mes dégâts. Ça sera pas long, hein? Donc, c'est ça. Des fois, là, si vous cherchez une alternative, si votre chien semble, puis même vos chats, là, si ils semblent parfois un peu désintéressés là, de la moulée industrielle, ou bien si votre chat est gras, parce que moi, c'est ça, j'en ai un qui est un peu glouton ici, là, cachou, là. Vous avez pu le voir là, sûrement dans des vidéos. Et puis, vous devez sûrement l'avoir vu aussi, là, ma première vidéo de coloriage que j'ai fait, là, qui est complètement en accéléré. Là. Si vous ne l'avez pas vu, allez la voir. Vous voyez dedans, là, Cachou qui vient se coucher littéralement sur mon dessin. C'était vraiment drôle. J'étais là, hey, ça se peut pas. Puis, je suis sur avance rapide, là, je suis en accéléré. Donc, il était là un bon bout. Là. Il était dans mes jambes. Là. Puis, tu sais, c'est pas, je veux jouer avec tes crayons. Non, c'est je veux me coucher, je veux que tu me regardes pendant que je dors. Crée Cachou. Mais c'est ça, le même eux autres, là, le poil est revenu tellement plus beau et tout. Là. Cachou, il y a le poil noir, hein, puis il y avait le poil comme un peu brun même avec la moulée industrielle et tout. Même des bonnes moulées de vétérinaire, au début, on en a acheté. Puis ça équivaut jamais, jamais, jamais à la moulée, le cru. C'est tellement le wow. Donc, j'en ai la preuve. Il y en a beaucoup des fois qui sont comme sceptiques. Puis que, hein, tu donnes ça, puis ça doit pas être bon. Puis, non, vraiment pas. Vraiment, mais vraiment pas. Moi, je l'ai vu tout de suite, là. Bella, là, est âgée, là. Elle a 11 ans, elle va avoir 12 ans, là. Puis, elle est en forme, là. Elle est vraiment plus en forme qu'elle l'était. Son poil est revenu beaucoup plus doux, beaucoup plus beau. Ça paraît qu'elle est en santé. Sérieusement, là... Donc, des fois, ça, je me suis dit, ça vaut la peine que je vous en glisse un mot. Bon, c'est peut-être plate d'entendre parler de ça lorsque je fais mon diamond painting. Je m'excuse pour ceux que ça n'intéresse pas. Mais ceux qui ont des animaux, là, c'est ça. Je vous partage mon expérience. Des fois, peut-être que ça donnera envie à certains. Ou peut-être que même que vous avez des animaux à la maison puis vous les nourrissez déjà au cru. Si oui, félicitations. Et vous ne pouvez pas leur donner quelque chose de meilleur que ça pour vrai. Donc, les petits Y. Oups, parce qu'il y a un petit blanc ici. Allez. Ah, non, là. Les petits Y. Je ne vais pas montrer le blanc, là, parce que bon. Les petits Y, c'est un petit rose. Pâle, pâle, pâle. Vraiment, là. Un petit rose. T'sais, c'est quasiment, je vous dirais, là, la couleur un peu d'une perle. T'sais, c'est comme un petit blanc cassé, mais tu vois qu'il y a un petit peu de rose dedans. Donc, c'est ça. Je suis contente quand même là, de vous avoir partagé mon expérience. Puis dites-moi là, si vous avez des animaux à la maison, là, trouvez-vous ça intéressant? Allez-vous essayer? Allez-vous... n'en donnez-vous déjà du cru à vos animaux? Là? C'est ça. Nous ici, on voit la différence. Là, puis, comme je disais, Cachou qui est gras un peu... mais ça a fait du bien. Pour vrai, il a maigri, puis il est en santé, là, puis son poil est venu noir, 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 lustré, là, tellement plus beau que qu'est-ce qu'il était. Là. Juste avec le poil de votre animal, vous pouvez voir la différence, s'il est plus en santé. Ou Puis, c'est ça. Moi, nous, c'est ça. Nous, on l'a constaté, là, puis il n'y a pas juste moi à cette heure qui fait ça. Les parents, mon copain, ben, c'est eux qui ont commencé à faire ça en premier. Nous, après, on l'a essayé. Puis, c'est ça. Là, tranquillement, va vite. Je suis en train de convaincre mes parents. Parce qu'ils viennent d'avoir un petit bébé chien. Donc, je me disais que ça serait bien qu'ils commencent, là, qu'ils commencent du bon pied. Hein, que ça commence bien en partant. Donc, les petits cas, un beau petit rose.
Donc, c'est ça. Je vais finir par avoir mes parents à l'usure. Mes parents se sont achetés un beau petit chien, là. Un berger allemand, là. Vraiment, là. Un beau petit coco, là. Et qui est beau. C'est ça. On aime vraiment. Nous, on aime vraiment beaucoup, beaucoup les animaux. Ma soeur a un chien. Mes parents en ont un. Avant, il y en avait deux. Ils ont perdu les deux, là, vraiment pas longtemps, un après l'autre. Puis, c'est ça. Moi, j'ai mon chien. J'ai Bella. Puis, j'ai deux chats, là. C'est ça. Nous, on aime vraiment beaucoup les animaux par chez nous. Je sais, des fois, les gens qui sont en ville, c'est pas nécessairement évident aussi, là. Puis, mais c'est ça. Nous, on est assez gaga des animaux. On est là, puis, ah, il est cute. On voit un petit bébé chien, un petit bébé chat. On est comme, oh! Bon, j'ai comme un intrus, là. J'en ai un qui a pas rapport là. Un plus foncé. Je vais l'enlever. Je me remets des petits cas, j'aurais pas le choix. Je pensais en avoir assez, là, mais il va m'en manquer quelques-uns. Et j'ai presque terminé. Et, hein, by the way, ce que je voulais faire, là, ça achève, là. On fait l'intérieur du cœur, là. J'ai presque fini. Ah oui, c'est vrai. Je fais une petite parenthèse. Je veux souhaiter la bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est ça, j'en ai un petit peu plus à tous les jours, là. Je veux vous souhaiter la bienvenue et puis laissez-moi des commentaires, là. Je lis vraiment les commentaires à tout le monde. J'adore ça lorsque vous me laissez des commentaires. Pour vrai, ça m'encourage tellement et tout, là, à continuer. C'est une belle source de motivation. Pour moi, je vous lis, là, puis j'ai le sourire fendu jusqu'aux lèvres. Puis je suis comme, oh mon Dieu, ça me fait un petit velours. J'apprécie vraiment, vraiment beaucoup. Donc, c'est pour ça que je me suis dit. Ça, j'y avais pensé, là, je m'étais dit, là, Marilyn, faut que tu prennes un petit 5 minutes, là. Faut que tu dises merci, là, à tes abonnés. Donc, merci beaucoup à tout le monde, là, de me regarder. C'est ça, lorsque vous m'écrivez des beaux commentaires, là, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Oh, même chose, les petits 6. Alors, je vais en mettre un petit peu plus. Bon, j'en ai trop. Les petits 6, là, c'est un beau petit rose, le plus foncé. Je suis désolée, hein, j'ai oublié de vous le montrer. Parce que là, bon, je viens de faire un bout sur accéléré, puis je ne montrais pas à la caméra. J'y allais un après l'autre. On dirait que là, je suis comme restée dans le même mood, là. Je fais la même chose. Non, Marilyn, faut que tu montres tes couleurs. Les petits H ici, ça ressemble beaucoup à la couleur de mes ongles. Pour vrai, c'est un peu comme corail. Comme un rouge orangé, si on veut. Très, très, très jolie la couleur. J'adore. Donc, les petits H pour bien terminer notre beau petit cœur. Donc, je contemple, je vais avoir vraiment une belle grosse partie de fête. Donc, c'est ça. Mickey et Minnie, là, la partie 3, hein. Ça va avoir bien avancé dans cette partie-là. Donc, je verrai. Peut-être que je l'avancerai encore un petit peu là, avant de faire la prochaine vidéo. Ou bien lorsque je déciderai de travailler sur la toile. Peut-être également que je ne sortirai pas ma caméra. Puis je vous ferai peut-être une petite surprise. Je verrai. Là aujourd'hui, si je fais une autre vidéo aujourd'hui, je vais avancer une autre toile. Celle-là, j'ai quand même donné un bon gros coup de pouce là. Donc, tu sais, si je prends un petit peu d'avance dans mes vidéos là, puis que j'en tourne une autre, là, je vais aller m'attaquer à une de mes deux autres toiles. By the way, là, le vote là, hey, vous avez été vraiment vraiment nombreux cette fois-ci là à voter. Je suis super contente. Il y en a un qui est largement en avance sur les autres. Hein? C'est le numéro 3 là. La femme, la Sugar School avec le chat. Et vous avez été vraiment, vraiment beaucoup à voter. Là. Je crois que j'ai reçu au-dessus de 50 votes. Je suis super, super, super contente. Pour vrai, là, j'étais vraiment là,
J'adore ça. J'adore ça, là, que vous commentiez autant, que vous participiez et tout, là. J'étais vraiment, vraiment contente. Donc, plus que ça va, c'est ça, plus que j'ai de commentaires et tout sur les vidéos. Donc, je suis super contente. Ça m'encourage beaucoup, là. Lorsque je vais vous ressortir des vidéos pour le vote, là, c'est ça. Plus que ça va, là, je crois que c'est la troisième fois que je fais ça. Plus que ça va, là, plus que j'ai de votes, plus que les gens participent, plus que vous participez, mes abonnés, je vais vous dire merci énormément pour vrai. C'est ça. Moi, je suis extrêmement contente, là, que ça y aille bien comme ça, puis que vous appréciez, là, ce que je fais. Donc, même chose, là, c'est ça. Moi, j'apprécie beaucoup, beaucoup que vous commentiez, là, que vous likiez mes vidéos et tout, là, tout ce qui vous intéresse. Pour vrai, je suis rendue quasiment accro, là. Je suis souvent en train de regarder mon YouTube, puis ah, j'ai tant de likes de plus, puis je suis comme tellement contente. Même chose, là, les commentaires, à toutes les fois, je suis comme contente. Je suis comme, ah, j'ai quelqu'un de plus qui me commente mes trucs. Donc, c'est ça. Comme que je vous expliquais, là, c'est ça. Moi, c'est comme, pour moi, à mes yeux, à moi, c'est comme une grosse, grosse forme de reconnaissance. Donc, ça me fait vraiment chaud au cœur. Ça me fait un petit velours. Bon. Donc, on a bien avancé ça, hein? Colline, je suis contente. Donc, on va faire un petit survol de la toile. Je vais éteindre ma tablette, là. Ça va peut-être être moins pire un petit peu, là. Parce que, bon, la lumière, elle reflète. Donc, je suis super contente. Ici, là, c'est tout fait. Vous voyez le bout que j'ai fait en avance rapide tout à l'heure. Wow! Avec le cœur, là, qu'on vient de faire, je vais pouvoir couper un bon bout de ma toile. Ici, de mon plastique, là, tout le côté, je vais pouvoir raccourcir ça. Bon, un poil à cachou, comme d'habitude, hein? Donc, je suis vraiment, vraiment, vraiment contente de ce qui est avancé. Même chose, là, ici, là, j'ai tout comme terminé le coin. Donc, ouais, ça avance. Je suis très, très fière de ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc, je me répète, mais je vais vous dire encore une fois, là, merci beaucoup de regarder mes vidéos. Merci aussi d'écrire plein de commentaires et tout. Je veux dire bienvenue aussi à tous mes nouveaux abonnés. Et puis, merci de vous abonner à ma chaîne. Merci de me suivre. Merci aussi de m'encourager. Donc, c'est tout pour moi là, pour aujourd'hui, pour cette vidéo-là. Je suis très, très fière de ce que j'ai avancé sur ma toile. Pour vrai, c'est merveilleux. Ça avance très, très bien. Je regarde les couleurs, puis je suis comme là. Puis, wow, je trouve ça tellement, tellement joli. Je vous la remonte là, encore une dernière fois. Là. Je sais, j'ai fait un petit survol là, avec vous là, de la toile. Là. Mais... Donc, on se retrouve là, dans une prochaine vidéo, là, sûrement de diamond painting ou peut-être de coloriage. Qui sait, je vais voir. Cet après-midi, je vais aller prendre une marche, comme je vous disais tantôt. Puis, peut-être que quand je reviendrai, ça me tentera de dessiner, ça me tentera de faire du diamond painting. Assurément, c'est sûr que quand je vais revenir, je vais faire une autre petite vidéo là, aujourd'hui. Là. Je suis en forme, là, puis j'ai le goût là, de vous faire des vidéos. Puis, c'est ça, je vous oublie pas, je vous en mets une à tous les jours. Je vous mets une vidéo à tous les jours en ligne. Ça se peut qu'une fois de temps en temps, je saute une journée, là, mais c'est quand même rare. Là. J'essaie vraiment là, de vous mettre du contenu à tous les jours. Donc, c'est ça. Je vais vous dire une fois, encore une fois, merci beaucoup. Et puis, on se retrouve là dans une prochaine vidéo de Diamond Painting. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, eh bien, abonnez-vous. Ciao tout le monde!